Alors comme vous n'êtes sûrement pas sans le savoir, la Porsche 911 type 991 arrive en fin de carrière. Qui dit fin de carrière pour Porsche 911 dit version la plus extrême. Alors la plus extrême c'est la Porsche 911 GT2 RS, mais la voiture la plus extrême pour les puristes disons, c'est la Porsche 911 GT3 RS qui est présentée aujourd'hui à Genève. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, et contrairement aux rumeurs qui indiquaient la présence d'un bloc 4 litres 2 de cylindrée, c'est finalement bien un flat 6 4 litres que la Porsche 911 GT3 RS nous offre. Grâce à un nouveau système d'admission et un nouvel échappement, les ingénieurs ont fait grimper la puissance à 520 chevaux et 470 Nm de couple. Donc l'habitacle est en adéquation avec ses velléités sportives. Quand on pénètre à l'intérieur, on est vraiment dans un écrin de sportivité. On a l'Alcantara à profusion, du carbone absolument partout. On a un arceau juste derrière. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est que Porsche a conservé la philosophie une touche, une fonction. Une philosophie que l'on ne retrouve plus malheureusement sur les Porsche actuelles, c'est-à-dire le Cayenne et la Panamera, et certainement la prochaine Porsche 911 type 992. Alors comme sur la majorité des Porsche sportives, tout se passe à l'arrière. Pourquoi ? Parce que la puissance est transmise uniquement aux roues arrière, et ces roues arrière, comme la précédente génération, sont directrices. Sa commercialisation a déjà débuté et les livraisons commenceront dès le mois de juin 2018. Le prix de départ en France est de 198 335 euros.